Alors, si vous voulez Visegrad, Vichy veut dire plus élevé, hein, le château fort, la forteresse qui se situe sur une colline. Alors, ce château-là, on appelle, il y a une spécialité. Nous entrons en Prague par la partie sud de la ville. Nous croisons ainsi le musée national et la place Venceslas. Avant de descendre du car à l'entrée est de la ville, marquée par la présence de la tour poudrière. La tour poudrière marque l'entrée monumentale de la vieille ville. C'est une construction gothique qui date de 1475. Elle servait de dépôt de poudre noire. Contiguë à la poudrière, la maison municipale enferme un café, le plus bel exemple de décoration art déco de la ville. Déambulons ainsi dans les rues étroites de la vieille ville, bordées de magnifiques maisons gothiques, pour aboutir sur la place de l'Étoile-Levant. Je vais vous faire son travail. On va rentrer dans la salle.
Notre promenade à travers les rues de la vieille ville nous amène jusqu'au pont Charles, le plus ancien pont de Prague. Il fut fondé en 1357 par Charles IV. Il est fortifié de tours à ses deux entrées et décoré de 30 sculptures illustrant des saints. Il y a probablement trouvé des toilettes, mais partout. Qui partaient dans les pays très éloignés pour évangéliser la population dans les pays éloignés. Alors c'est pour ces raisons que du 10e siècle, 9e siècle, et le petit garçon. Pour rendre Andrea, il faut avoir le temps. Juillet 7, 9, 7, 5 heures, 31 minutes. 1, 3, 5, 7, 9, 7, 5, 3, 1. C'était une pyramide. Il se termine par le chiffre 9. C'était calculé exprès pour le pont Charles. Passé le pont Charles, nous entrons dans le quartier du Malastrana. Nous sommes dans l'île Kampa, formée par le Sertovka, un bras de la Vltava. C'est ici la Venise de Prague. On peut apercevoir les roues du moulin du Grand Prieuré, toujours actif. Notre excursion dans le Malastrana nous amène jusqu'à l'église de la Vierge Marie, un bâtiment de style baroque, datant de 1611. L'église est célèbre grâce à la statuette de cire d'origine espagnole du petit Jésus de Prague. Comme le Mannequin Piece à Bruxelles, le petit Jésus possède une imposante garde-robe. L'église Saint-Nicolas de Malastrana est le symbole de la contre-réforme bohème. C'est un style baroque culminant, richement décoré par les plus grands artistes du 18e siècle, dont la fresque du Dôme qui représente la Sainte Trinité. Les arts y ajoutent de l'heure. Thank you.
celle-ci, Saint-Constantin, ça c'est déjà du même point de vue. C'était la personne qui a arrêté la persécution des chrétiens en 313. C'était là. Alors, c'était Théodose. Théodose est venu sur le maître sud-est et proche de qui, s'il vous plaît, de me suivre. Je vais vous montrer encore quelque chose qui est typique pour le Baron. Puis après, pour vous, au fond de l'église à gauche, il y a un escalier. Si vous le prenez, vous allez vous retrouver dans la tribune là-bas. Derrière un gris, voilà.